Guylaine Tremblay, je suis la chargée de projet de la politique familiale de Saint-Adalbert. Et Brigitte Chouinard, conseillère représentante au niveau municipal pour la politique familiale. Et en même temps, présidente des fêtes du centenaire qui auront lieu au mois de juillet, du 22 au 25 juillet 2010. 11 bébés et 11 nouveaux arrivants. C'est une rétrospective depuis septembre 2008, à partir du moment où on a commencé à travailler pour la politique familiale. C'est la première fois que vous faites ça? C'est la première fête, oui. C'est important. Pourquoi vous voulez souligner ça? Bien, c'est très important, je pense, au niveau des familles dans la paroisse Saint-Adalbert. C'est plaisant de pouvoir accueillir des nouvelles familles, des nouveaux bébés. Puis de les voir grandir aussi dans notre paroisse. C'est notre paroisse natale, fait que c'est toujours intéressant d'avoir de la relève. Oui, les fêtes du centenaire auront lieu du 22 au 25 juillet 2010, avec sous le thème « Viens fêter 100 ans de vie et d'histoire ». Fait qu'en même temps, on en profite à soi pour sortir notre vin, notre cuvée de vin pour le centenaire, puis les objets promotionnels aussi qui sont arrivés cette semaine. Ah, il y a Mélanie! C'est la cuisinière en chef pour la journée. Et ça va être bon? Ça va être très bon. Spaghetti, salade César, les dessins sont... Gâteau blanc avec coulis au sirop d'érable. Oui, ça sent déjà. Oui, hein? Et voilà! Non, mais on avait dit qu'on... Brigitte Chouinard, conseillère responsable pour la politique familiale. Guylaine Tremblay, la chargée de projet. Martine Caron. Claudia Mathieu. Manon Chouinard. Kim Mathieu. Claudette Chouinard. La fête des neiges cet hiver. Puis, on a eu, oui, en même temps que le lancement du livre La politique familiale. Puis, aujourd'hui, c'est la deuxième activité. Puis, il y en a une troisième qui s'en vient en juillet pour l'inauguration de notre parc. Très important. Puis, en plus, ben, on a mis au monde une politique familiale. Puis, on en est très fiers. Puis on tient vraiment à ce qu'on souligne les nouveaux arrivants. Puis ça ramène l'activité chez nous qu'on n'avait pas avant. Puis c'est très, très important. On a notre centième qui s'en vient là, pour le mois de juillet. C'est une belle activité. C'est un centenaire que je vais vivre en tant que maire. Puis j'en suis très fier. Puis on a une belle équipe qui travaille très, très fort là-dessus. Puis je tiens à les féliciter. Je veux dire, c'est sûr qu'en quelque part, on sait que partout dans toutes les municipalités, on a... On a une perte de on a moins de naissance, tout ça, mais en quelque part, je pense que la politique familiale puis toutes les activités qu'on fait, ça va ranimer ce sens d'appartenance à nos municipalités. Ben moi, je pense que c'est notre dynamique, c'est l'esprit d'équipe. On la regarde depuis une couple d'années avec la politique familiale, avec tout ça. Ça l'emmène à nouveau, ça amène un renouveau chez nous. Puis, c'est ce qu'on veut vendre. On veut vendre notre municipalité comme de quoi qu'on on est des membres d'une population qui se tient bien ensemble. Là.